Bienvenue sur channel Bladier Footballer pour l'autre vidéo. Dans la vidéo, ça nous va le partager ensemble avec vous. Actualité sportive, pas oublier soit à peine rejoindre nous, abonner, activer cloche notification. Dans l'actualité sportive, nous avons démarré avec Toni Kroos, international allemand qui a peine fait retour dans la sélection allemande pour disputer Euro 2024 qui a fait un pays en Allemagne. Monsieur lui-même finalement fait annonce qu'il a quitté l'équipe Real Madrid et monsieur a pris retraite li nan cause football. Eh bien, une légende dans Real Madrid après annonce en pile réaction surtout avec coéquipier yo, gagné ancien coéquipier tout coup Cristiano Ronaldo, monsieur Sayo réagi et sans oublier tout coéquipier dans Real Madrid Mbappé tout avec Yoneg li bataille en pile 3 milieux de terrain, nous capables de dire, qui c'est pratiquement 3 milieux de terrain qui marquent l'histoire football là. N'a pas exactement de Casemiro, monsieur réagit aussi. Eh bien, on t'a dit annonce Toni Kroos. Toni Kroos est commencé pour le dire, le 17 juillet 2014, jour qu'il t'a présenté dans Real Madrid, c'est jour qui changeait vie footballer moins, mais surtout en tant que monde. C'était début d'un nouveau chapitre dans le plus gros club qui gagne dans le monde là. Après 10 ans, eh bien, dans la fin de saison, chapitre ça, il peut arriver, prend fin. Mbappé, j'ai oublié la période ça yo, et surtout avec un pile succès. Moi, je voulais remercier tout le monde qui était accueilli à cœur ouvert et qui t'a fait confiance dans le club ça. Mais surtout, moi, je voulais remercier Madrilenio pour affection yo, pour l'amour yo depuis le premier jour juste dans le moment qui m'a écrit message là. En même temps, décision ça li signifie carrière footballeur moi, eh bien li poil prend fin été ça après Euro 2024 là. Moi très content et moi très fier pour me trouver et na exprimer bon moment pour me prendre décision ça et pour me choisir li exactement. Ambition moi, c'était toujours terminer carrière moi dans pire sommet surtout dans niveau de performance moi désormais il y a qu'une seule pensée directrice à Paul à 15 à la Madrid in Adamas. Voilà, c'est comme ça et monsieur Toni Kroos t'a réagi, c'est comme ça monsieur lui-même il t'a fait annonce que l'a quitté Real Madrid et l'a tout prend retraite li dans cause football. Faut qu'on dit, j'en ai dit dans le commencement de la vidéo, eh bien, en pile réaction, Real Madrid félicite Toni Kroos et dit merci. Paquet de coéquipiers de Real Madrid, vraiment dégagé l'amour gagné pour Toni Kroos, une légende qui pourra quitter le club capital espagnol. Eh bien, Mita Teresa qui a pratiquement dominé la période par là avec Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Casemiro, nous déjà connaissons qui était vague qui allait dans Manchester United. Eh bien, Toni Kroos avec Modric qui était arrêté. Eh bien, Toni Kroos, pour le moment, monsieur Bayvag. Eh bien, là, Luka Modric est un gros point d'interrogation. Est-ce que le poil bénéficier yon l'autre année supplémentaire dans l'équipe Real Madrid là? Ou bien tout, est-ce que la peur est vraiment quitté le club là tout pour été 2024 là? Alors c'est une grosse question qui a posé, mais une nouvelle là qui a fait qu'on est que d'après Journal Maca, Real Madrid a joué à quoi avec Luka Modric pour t'arrêter encore pour une saison dans le club là. Dans l'autre actualité sportive, dans le pays de la France, Stade de Reims qui pensait avec petit Carlo Ancelotti pour venir remplacer Will Steele. Équipe française là, a cherché actuellement un nouvel entraîneur pour la saison prochaine après départ précipité de Will Steele dans le début mois de mai. Selon le journal, l'équipe David Ancelotti li a figuré sur une liste qui très élargie dans le candidat potentiel pour venir remplacer entraîneur Will Steele. Et bien, petit Carlo Ancelotti qui gagne actuellement 34 ans. Monsieur lui-même, lycée ou non, assistant Carlo dans Real Madrid, qu'on dégage sous contrat jusqu'en 2026. Eh bien, David, lui également, a travaillé dans le staff, va pas là. Monsieur lui-même, t'es passé avec Carlo dans Everton, dans Napoli, et aussi dans Bayern Munich et Paris Saint-Germain, comme préparateur physique, mais il n'a jamais endosé rôle entraîneur principal. Et puis, dans notre actualité, gagné Faïsa Lamari qui a annoncé le départ de Ethan Mbappé.
Nous connaissons Kylian Mbappé qui c'est grand frère Ethan Mbappé, monsieur a quitté Paris Saint-Germain et ça. Et bien, petit frère qui c'est Ethan qui gagne 17 ans, lui-même aussi, il pourra plier bagage dans l'occasion prochaine, Mercato. Et bien, prochaine destination, il n'est pas encore reconnaître, mais Faïza Lamari, il confirme que Avenir Petit Lyon, et bien là, il n'est pas écrit dans Paris Saint-Germain. Et a parlé aussi équipe Lille qui est capable d'accueillir jeunes footballeurs. Dans l'autre actualité, nous parlons Kylian Mbappé, maman joueur football, lui-même qui baille gros indice sur future destination Kylian Mbappé. Mbappé qui était organisé lundi 20 mai 2024 dans un restaurant de Paris, une grande soirée d'adieu avant de parler dans l'équipe Paris Saint-Germain. Et bien dans sortie établissement, maman Mbappé qui s'est conseillé à Jean-Li, et bien il était parlé de Kylian Mbappé avec journaliste. Je lui ai posé la question, Mandel, est-ce que il y a une émotion? Répondre lui dit oh oui, ou gen deux petits moun qui a quitté club blanc. C'était 7 belles années. Je dis ça a fêté avec personnel là tout simplement. C'est comme ça il était lancé et lui confirmé aussi départ de Ethan Mbappé qui c'est frère Kylian Mbappé. Il dit cette année ça a été vraiment magique. Paris c'est magique. Et puis concernant future destination Kylian Mbappé, il va poser Faïza Lamari question sur ça. Et bien, réponse non, il était baillé comme ça. Il dit, ou même journaliste là qui posait une question ça, nous déjà connaît qui bon Mbappé pour aller. Alors nous connaît, d'après les gens, ça a parlé depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, et bien, Kylian Mbappé, c'est pour le et bien, prochain joueur, équipe Real Madrid là, saison prochaine. Thibaut Courtois, monsieur fait gros révélation concernant grosse blessure qu'il saute subi qui fait rater moment qui déparaît plus important avec Real Madrid pour saison 2023-2024 là. Thibaut Courtois est entraîneur de basketball Real Madrid là, Chus Matero, et il déparaît comme vedette première journée semaine blanche pour étudiants école universitaire Real Madrid. Et bien là, à quelques jours de finale en Ligue des Champions, côté qui a annoncé Thibaut Courtois qui pourra être titulaire, après que monsieur lui-même l'est retourné après grosse blessure Lyon, et monsieur montré que il a un bon niveau pour tout dans Liga. Et bien Thibaut Courtois lui fait le point, et bien sous expérience qu'il saute fait avec grosse blessure ça. Monsieur dit faut coup positif avant tout en août, m'était crié parce que c'était pire mauvais bagaille qui capable river dans football là, c'est surtout avec blessure ligament croisé. Lorsque moi t'ai rentré la caille moi t'ai dit que moi pas le travail très dur et m'a retourné très fort. C'était idem depuis les débuts, être positif, bataille et pas jamais abandonner et chercher limite. En plus monde pensait que ces hommes m'ont terminé. Moi-même, m'te connais que ça veut dire c'est pas vérité, ces hommes li poco terminé pour moi. Thibaut Courtois, il t'a parlé aussi de deux moments clés lui-même dans Real Madrid. Je dis premier, c'est match contre Galatasaray. Moi t'ai fait 3 arrêts et moi t'ai gagné confiance. Ensuite, toute bagarre était venue accélérer. Deuxième moment qui était vraiment clé, c'était finale Ligue des Champions contre Liverpool. Gagner finale ça avec tout arrêt ça yo et fini meilleur joueur match là, c'était un dans meilleur moment dans la vie moi. Voilà, c'est comme ça Thibaut Courtois lui-même il était réagi à travers déclaration qu'il fait sous niveau li fanatique. Et bien c'est ça, pas oublier sur à peine rejoindre nous sur channel là, abonner, activer cloche notification.